Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour pour la suite de A Plague Tale Requiem. On s'est arrêté ici en direction de Marseille. On avait quitté notre mère et Lucas, qui avait continué en bateau. Et nous, avec Hugo, on va continuer, mais cette fois-ci à pied. Donc on s'est arrêté juste ici. On fait demi-tour. Non. Ah. On risque de retomber sur ces mercenaires. D'accord, donc je ne peux pas aller par là-bas pour voir s'il y avait des petites fleurs. Donc pour moi, au niveau des fleurs et des souvenirs, je crois qu'on a raté un souvenir et une fleur. Bon. C'est dommage, mais que voulez-vous? Par contre, ça fait un bout de temps, je crois que j'ai pas eu de souvenir. Donc je me demande si on en a pas raté. Sur une île, en bateau. Une fois qu'on sait où elle est. Maman va pas passer par là. Elle ne va pas être contente, mais ne t'inquiète pas. Tu crois que ces bandits, ils vont les suivre? Pas passer par là non plus. Ils sont en sécurité. Mais ils ont pas d'armes. Ils vont fuir ou se cacher, Hugo. Ok, bon, il y a pas vraiment d'endroit à explorer, à vadrouiller de ce côté-ci. Donc on va avancer tout simplement. Oh, c'est beau là. Waouh. Regarde ces belles fleurs. Oui. Ah ouais. Je sais pas comment ça rend sur le. Tu adores les fleurs. Sur le retour. Votre côté, mais là sur. C'est très joli. J'avais fait la remarque la dernière fois que le jeu était quand même très joli. C'est pas non plus une claque graphique comme des jeux à très très gros budget. Genre Red Dead, les Spider-Man, etc. etc. Mais c'est très joli quand même. Ah, je vais pas dire que ça ferait concurrence à Red Dead, hein. Moi qui ai joué il y a pas si longtemps que ça. Mais ça reste vraiment très joli. Peut-être un petit peu moins de détails. Hugo, est-ce qu'ils savent nager? Tout ira bien. Promis? Oui. Mais oui, promis. Attends, tu vois cet arbre? Je suis sûre que je peux l'atteindre avant toi. Maintenant? Pourquoi? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même. Montre-moi ça alors. 3, 2, 1... Hey. Il a triché. Fais-lui un croche-patte. Ben voilà. Vous voyez, ben on a perdu. Bah bravo. Bravo, bravo. Moi je cherche des fleurs, voilà. Je suis vexé. Tu m'as vexé. Il est où? C'est bon, on l'a perdu. Pourquoi il rigole? Il est tombé? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah si, à mon avis, il a dû se casser la gueule. Ah dommage, on a raté ça. Bon alors, Hugo. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a, regarde? Kezako. Des plumes? Non, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vraiment une belle plume. Elle est. Ah, c'est une belle plume! Et toute bleue. Elle a dû tomber du nid qui est dans cet arbre, là-haut, tu vois? Oh, oui. On cherchera d'autres nids, et je suis sûre qu'on trouvera d'autres plumes. Oui. Ah, c'est d'autres trucs à trouver? De toi, un oiseau. Un chevalier oiseau. Un chevalier oiseau. Ajoute à la collection. Ah, il n'y a pas que les fleurs. On peut donc maintenant chercher les plumes. On est à 4 sur 12. Mais là, vous voyez, en souvenir, je suis à 4 sur 21. C'est peut-être un peu juste par rapport à là où on en est. Parce que là on en est à... Bon, disons qu'on en est à 5 sur 21 et là 5 sur 12. Donc là ça voudrait dire qu'on en est quasiment la moitié de ce qu'on a trouvé. Par contre là on est très très loin. Hein. J'ai trouvé des jolies fleurs quand j'étais avec Lucas. Tu les veux? Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah, d'accord. Alors est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de fleurs à trouver? Ah. Ah très bien. Je crois que mon jeu a freeze. Complètement. Ok. On va relancer, c'est pas grave. Si le jeu veut bien se fermer.
Oui, j'avais remarqué qu'il y avait eu un souci. Eh ben, on relance, tant pis. Est-ce qu'on avait une sauvegarde ou pas? Est-ce qu'il y avait une sauvegarde automatique peut-être à l'arbre? On va voir ça. Ah, attendez, y'a pas? Est-ce que ça met? Capacité, amélioration, 4 sur 21 et herbier. Ah, bah non, du coup ça. Ah, bah si! 14h03. Si, y a une sauvegarde. Et une sauvegarde juste à l'arbre, du coup. Allez, on reprend. C'était une belle course. Ouais, c'était une très belle Est-ce vrai? course. Ça te fait encore Donc oui, mal? en théorie, on n'aurait plus de fleurs à trouver. Ce qui fait mal, c'est que je suis un poulet maintenant. Mais un gentil poulet. Un gentil Trop poulet. probable. La prochaine fois, je te laisse gagner. Oh non. La prochaine fois, je t'écraserai. Ça ne marche pas comme ça. Depuis quand on dit la prochaine fois, je te laisserai gagner? Non mais. Pas comme ça que ça marche. Du coup, j'aimerais bien trouver un petit souvenir. Ah! Ah non. C'est un truc à ramasser. Ah oui, les fragments. Alors attendez, on en est où là? Au niveau des fragments. Donc là, il y a juste prudence. Mais du coup, je vois pas exactement. Parce que opportunisme. Je vois pas comment on gagne en fait des points de ça. Ah bah là, ah bah non, je peux pas faire d'amélioration. Ah non, on a que 12. Est-ce qu'il y a quelque part où c'est écrit pour les améliorations là? Bah, je pense pas. Hein. Bon, après, discrétion, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Je crois qu'il y avait un truc genre force. Ça, c'est pareil. Il suffit juste de combattre. Mais après, le. C'était quoi? Je sais plus c'était quoi le dernier. Ça se fait au fur et à mesure, mais à mon avis, je pense pas que j'arriverai à la fin du jeu avec tout d'amélioré. Ça me paraît un peu compliqué. Bon, bah du coup, il n'y avait pas de souvenir. J'ai essayé de farfouiller un petit peu. On a raté. C'est très joli, hein. Tu entends ça? C'est quoi? Des chants. On dirait une messe. Il y a une église Ah. ici. On va voir. Une église. C'est Oula. un marché. Non, on est trop loin d'une ville. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Alors, je suis peut-être pas On va sûr. demander. Mais je sais pas pourquoi j'aurais pas confiance. On va y aller parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Bonjour mesdames. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Oui, nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens? Oh, c'est l'heure de la messe. Nous sommes en pèlerinage. Ah. Alors nous prions pour arriver à bon port. Oh, vous vous rendez à Rome? Exactement. Et vous? Où allez-vous? Sur une île. C'est pas grand-chose à son sujet. Oh, notre meneur, Perreux, connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Très bien. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Y'a pas un petit souvenir là du. On vous aide à faire la. La. Comment? Pas la vaisselle. Merde, comment on appelle ça? Renounette. Elle est sympa la dame. Oui, elle est très sympa, regarde. Faire la lessive. Ah, putain, chercher des termes comme ça aussi simples. Ils vont à Rome. Parce que l'année prochaine, c'est le jubilé. Bonjour. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce Perreux. Je peux pas vous parler? Ouais, je cherchais ce terme. Des fois, des termes aussi simples que ça ne vient pas.
Et du coup, on a trouvé. Alors maintenant, pour notre cher Hugo, on ne cherche plus les plumes. On ne cherche plus les fleurs, mais des plumes. C'est nouveau. Oh, les petits, ils courent après les poules. Attention, ah non, ils se courent après. Doucement. Ah, regarde toutes ces fleurs. Il en a rien à foutre. Salut, Loa. Semble tenir le rythme. Oui, ils sont robustes, ceux-là. Oui, leur foi est forte. Leur foi est forte. Ils vont empêcher d'y aller, lui. Bonjour. Salut. Non, tu me dis rien. Je vais faire fouiller. Ah mais attendez, je me demande si c'est pas par là qu'il y a les grottes. On va voir le pape à Rome. Peut-être. Le pape à Rome. Si on a de la chance, il y aura des milliers et des milliers de pèlerins. J'ai tellement hâte. Eh bien dis, Janine, moi, je préfère aller à mon île. Janine. On est plus nombreux depuis l'arrivée. C'est toi, Janine. Toujours plus de tambouilles à préparer. Oh, laisse-moi finir de balayer, je t'en donne. Essaie de pas trop en mettre quand même. Ça leur donne une excuse pour boire plus. C'est vrai. Puis c'est pas très bon hein, de trop saler. Bonjour. Oh, bonjour. 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 C'est juste bonjour. Mais au moins ils sont polis. Ah mais putain, mais attendez, du coup c'est par là qu'il faut aller. Alors je vais pas trop avancer pour pas enclencher la suite du jeu. On va regarder si on trouve pas un petit souvenir ou un petit quelque chose. Mes pauvres pieds. J'ai jamais autant marché. Oh, pardon. Ça sent le ragoût. Toi, tu as du nez. J'ai faim maintenant. C'est surprenant. Allez, viens. Même pas le droit à un petit peu de ragoût. Bon, il n'y a pas de souvenir ici, vraiment. Puisse le temps rester clément. Bon bah écoutez, on va aller voir de ce côté-ci. Par contre, ne laissez pas traîner vos pastèques par terre. Ce serait bien mieux posé sur votre table. Allez, on peut courir normalement ici. On va aller voir ce qu'il y a de ce côté-ci. Ah, une balançoire. Ça, c'est un souvenir. Ça, c'est obligatoirement un souvenir. Celle qui était chez nous était toute cassée. Vas-y, je vais te pousser. Vraiment? Tu préfères pas y aller? Non, je te pousse. Je suis fatiguée. Ah, c'est gentil, c'est Hugo. Parti. Allez, pousse. Ne te fais pas mal, hein? Ça va. Ferme les yeux et imagine que tu voles. Ah ouais, ça va marcher. Ah, c'est fou comme ces mélodies comme ça me fait penser à la sauvage. Oh, oui, des pommiers. Des pommiers, c'est vrai qu'il adore les pommes. C'est longtemps, je crois. On repart ? Oui. Bon, c'était un souvenir ça ou pas ? Eh ben, merci. Ah, nouveau souvenir. Alors attendons. Oh la vache ! Oh, on a raté tout ça ! Ah bah merde alors. Putain, je pensais que j'en avais raté un ou deux, mais trois. Ensuite la maison. On n'est pas très bon hein, pour on n'est pas très bon pour les souvenirs. Crac crac les pommes. Eh, Hugo, c'était le Chirac d'autrefois. Bon allez. Putain, mais trois souvenirs on a raté. Franchement, déçu. Déçu de moi-même, mais je vois pas, faudrait que je regarde en fait où est-ce qu'on a raté. Attends, on va se mettre devant. Merde. Bah, y avait les poules, mais je vois plus Loa. Bah, raté. Puis en plus, je peux pas courir, donc je pouvais pas leur courir après. Bon, on avait une poule. T'es un peu dans la basse-cour. Par contre, c'est moi. C'est moi où elle me suivait, et dès que je me suis retourné, elle s'est arrêtée. Attendez, on va regarder. Non, coïncidence. Ouais, je me méfie, hein. Ça faisait longtemps. Ouais, la dernière fois, c'était la pastèque que t'avais mis. Voilà la messe.
que c'est perreux dans le fond? Chut. Parce qu'il a fait percer mon clip grâce à toi, tout ça. Oh, lequel? Pardon, nous attendrons ici. Merci. Ah, il y avait pas quelqu'un qui t'a... Ou t'avais regardé Canard.coin, non? Seigneur, protège ces humbles pèlerins durant leur saint voyage, car ils cherchent le salut au milieu des ténèbres et reçoit les prières des plus faibles. Amen. 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 Vous pouvez y aller. Merci. Ah, pas mal. Amen. Pardon. Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah. Mais il est con. Pardon, Hugo. Mais... Pas très fut-fut, hein. C'est à toi que je dois parler, l'ami? Bonjour. Buongiorno. Ah, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici? Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous? Pas à Rome, je présume. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac et des fleurs. Allez, vous, on va vous enfermer, hein, parce que... De grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un œil? Oui, merci. Ce serait parfait. Il a quoi, une carte? Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Nous cherchons un garçon et une fille. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor d'Arles, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité. Allez. Dans tes yeux. Mais, quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. J'espère que les autres vont pas me balancer. On peut pas se cacher dans ces jarres. Dans ces Jean-Michel Jarre. Il faut vous faire sortir du camp. Ah. Suivez-moi. Essayez de passer inaperçu. Qu'est-ce qui se passe? Faites place! Sortez de vos tentes! Ils cherchent quelqu'un. Coopérez et vous aurez rien à craindre. Et on passe nous comme ça au milieu de tout le monde. Nous n'avons rien fait. Nous sommes de bons chrétiens. De nouveaux venus dernière. Attention. Des intrus. Oh, des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Ils vont tout raconter. Non, mais j'espère que vous vous rachèterez. Ah ouais, on va faire la lessive. Nous sommes tous. Et on va faire du ragoût. Moi je reste ici en fait. Qu'est-ce que... Pourquoi on irait sur son île? Il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je ne sais pas. On est tellement nombreux, alors réfléchis. Ils vont pas leur taper dessus quand même. Faites attention. Reculez. Non. On a un problème. Cachez-vous sous la charrette avant d'être vu. Oh la charrette. Allez, Amicia. Ah, on est bien caché là. Qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous parlé à ce groupe là-bas? Certains nous ont rejoints récemment. Ils ne ressemblent pas vraiment à vos fugitifs, mais qui sait? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Oh les cons. Soyez sur vos gardes. Et ils y vont tous d'un coup, hein. On peut y aller, Amicia? Pas encore. Attends son signal. Eh, hey, vous. Moi? Depuis quand faites-vous partie de cette procession? La voie est libre. Venez, calmement. Allons-y. Vous trouverez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons. Ils nous voient pas là-bas? Merci. Soyez prudents. On est vachement discret en plus. Allez, il faut qu'on se dépêche de partir. J'espère qu'ils auront pas de problème. Tant qu'ils ne nous trouvent pas, personne n'aura de problème. Mais il voulait nous montrer une carte, notre ami, là. Merde, c'est pas par là qu'il faut aller. Si. Passer par-dessus. Par là. Oui. Quelqu'un a vu un garçon et une fille traverser le camp. Étendez les recherches. Oh non. Oh merde. Vite. Je peux pas courir. Oh putain. Ok. Cours. Espèce! Oh la vache, il a perdu une dent, le con! Crac! Ah bah ça s'est rouvert, hein, le front! Oui, oui! Oh! Ça tourne! Ta main! Tu saignes encore! Ta main dans la mienne! Allez vous faire foutre à un moment donné. Oui, il faut... Elle a pas l'air d'aller bien là, Amicia. Vraiment pas. On dirait une carrière. On va là-dedans. Il fait tout noir.
Effectivement, oui, c'est pas spécialement elle la plus dangereuse. On va... Allons à l'intérieur. Attends, moi je vais aller, là, il y a un coffre. Ça, je m'en fous. Mais il y a un coffre au-dessus, comment on y va? On peut pas bouger ça? On peut grimper. Ah, on peut peut-être grimper par-dessus. Ok. Ah, attendez, je guette quand même ici. Au cas où. Du coup, je suppose qu'il faut pas aller là-bas. Bon, écoutez, je vais aller là direct. Hein. Où ils sont? Je sais pas. Tiens bien ma main. Tu as vraiment tué des soldats? Oui. Non. Ah. J'ai perdu la tête. Bon bah si alors. Tu me l'avais pas dit. J'avais trop honte. Allez, reste concentré. Ah. Comment on fait? Il y a un truc à ramener par ici? Attendez, moi je veux le coffre hein, qui est en haut. Comment je peux faire pour y aller? Ah. Vas-y Hugo. Oui. C'est quoi, c'est une porte à ouvrir? Je vais ouvrir la porte. Ne reste pas derrière. Oui, oui, effectivement. Ils sont peut-être pas au courant que Hugo, il peut contrôler une armée de rats tout seul. De la ville. Oui. Ils étaient gentils pourtant. Gardez-moi ce gros coffre. Ce n'était pas le cas, crois-moi. Parfait. C'était quoi ça? De la pyrite. Ah oui, c'est ça qu'il nous avait demandé pour fabriquer le nouveau truc là. Ah mais je peux pas encore. Son espèce de truc, c'était très cool ça la dernière fois. Ah non, pas de l'arsenic, voyons. Après de l'arsenic, mis à part foutre ça dans une boisson ou dans de la bouffe. La pyrite, c'est le truc qui avait fait plein de petites étincelles. Amicia, ta tête. Je sais, mais on peut pas s'arrêter là. Ne t'inquiète pas pour moi. On peut pas s'arrêter là, mais t'inquiète, je fouille. Je suis là pour ça. Est-ce qu'on a pas de quoi faire une amélioration? C'était ça qu'on avait dit. Hein. Ah, il en faut 60. Ah ouais. Je suis à façon avec un gars, il a dit... La vraie phrase, c'est... Merci la gueuse, tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Amicia, attends. Ah. Il y a des gens. Ah merde. Je n'entends rien. Comment tu le sais? Je les sens. Je pense que c'est les rats... Je peux essayer de me concentrer. T'es sûr de toi? Oui, ne t'en fais pas. D'accord. Ah, ça y est, ça recommence. Maintenez pour créer une connexion entre Hugo et les rats. Oui. Oh la vache! Je les vois. Ils sont là. Des soldats. Attends, comment? Mais comment? Les rats, ils sentent le sang des gens. Comment on passe? Oh la vache! C'est comme un bruit. Oh non! C'est... Non! Tu vas mourir. Ils sont là. Arrêtez-les. Ils savent qu'on est là. Je peux même pas. Je peux pas lui foutre mon truc dans la gueule. Si. Taillot! On peut pas. Ah si, on peut courir. Oh putain, il y avait des trucs à ramasser là. Ça, ils vont pas vite. Bon, on va devoir se battre, hein, parce que moi, je veux ramasser les trucs. Ah putain, ils ont des masques. Pas des casques, plutôt. Attendez, je ramasse. Non, c'est mort. Moi, je veux ramasser hein, tout ça. Ah merde. Tiens. Oui, bon, allez, vas-y, qu'on en finisse. Bon. Alors, du coup, faut que je regarde un petit peu les chemins qu'ils prennent. Merde. Où sont les mineurs? Commence pas avec des fichues superstitions. C'est le capitaine que tu devrais craindre. Cette gamine la plus énervée que 1000 Anglais réunis. Les portes. Ah mais non, mais c'est mort là, non? Ah non. Oh, j'ai pas assez. Merde alors. Y'a autre chose ou pas?
Par contre, ça peut pas rester plus longtemps. J'en suis sûr. Il est où? Oh. Tourne-toi. Hein. Non, non, tu m'as pas vu, toi, là-bas. Je sais que vous êtes par ici. Pas encore un de leurs sales coups. Oh merde! Ah non, ça va. Où vous avez filé? Faut pas que tu viennes par là, par contre. Hein. C'est eux. Allez, va là-bas. C'est là que vous vous cachez. Non! Satan. Comment ça? Il m'a vu! Putain. Oh oh. Attendez, bah je. Tant que je suis là, hein, je. Oh, il y avait une flèche à ramasser! Ah, je l'ai ramassé! Wow! Putain, il y avait encore un truc à ramasser là! Allez, venez, on va s'amuser, on va faire un petit tour! Oh, ouais, on est tout prêt, ouais! Attendez, regardez, je prends juste ça! Hop, je sais pas ce que c'était. Des fragments, oui, bien en plus! Attendez, je vais regarder par là. Oui, c'est un peu con hein, quand même quand on y réfléchit. Il y a des trucs à ramasser ici ou pas? Ah les salauds, ils allaient de l'autre côté. Non, 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 non. Vous ne m'aurez pas. Regardez, là, il n'y a pas quelque chose. Oh putain, il y a un coffre. Ah mais là, c'est mort. Oh. Ok, on va lui mettre un coup dans la gueule à lui. Tiens. Il n'y a rien d'autre. Non. Ça va être un peu compliqué de tout récupérer, je pense, dans cette zone. Alors vas-y, remets-moi ton truc là. Putain. Où sont les mineurs? Cette mine n'est pas abandonnée, si? Oh, commence pas avec des fichus superstitions. Ah, attendez, on va les attirer ici. C'est que tu devrais craindre. Cette gamine la plus énervée que mille anglais et c'est forcément eux. Pourquoi je peux plus? J'en suis sûr. Il est parti où le dernier là? Inutile de vous cacher, je vous aurai. Ouais mais non. Bon. Le problème c'est que là, il y en a un qui est face à moi. Ok. Le dernier. Putain, faut pas que tu viennes là, toi. Oh! On peut l'emmerder, vous pensez? Après, attendez, mais je suis con. C'était quoi? C'était ça ou pas? Vous êtes par là, par ici. Ils savent qu'on est là. Oh merde, attends, attends, attends. Ne bouge pas, je prends juste ça. Ah! Je suis coincé! Merde. Allez, au feu! Bon, finalement, on en a buté. C'est pas vraiment ce qu'on voulait faire de base, mais. Bon, finalement, on va les buter. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Moi, je suis en mode barbare là. Alors attends, il est où l'autre? Ah non, il est pas mort. Salut l'ami. Pourquoi je peux pas le lancer? Ah parce que j'en ai pas. Ah mais je suis con. J'avais juste à faire ça. Je crois que j'ai pas lancé le bon truc. Si. Je suis pas certain que ça va le tuer ça. Je sais pas ce que je fais. Ah mais non mais. Bah non, ça a pas l'air de le buter ça. Ça le chatouille. Bon c'est pas grave, on a utilisé pas mal de ressources, mais ça va peut-être nous permettre de les récupérer ici.
Pauvre Hugo, oui, bah Hugo. Mais attendez, mais. Ah, mais non, mais du coup, il faut vraiment le pot. Pour lui faire les dégâts. Ah, ouais, non, mais il est pas content là. Bah du coup, je vais refaire de ça. Ah, trophée obtenu. Fabriquer 100 munitions, ok. Donc, ouais, il fallait bien des pots. Pour leur balancer à la gueule. Mais du coup, là, j'ai une arbalète. Je pourrais le buter également. Attends, là, je vais aller me chercher. Quoi ça? Imbécile. Maintenant, je sais où vous vous cachez. Oh merde. Vous êtes... Ils arrivent. Ah, mais cours! Quel con. Vous voilà. On est repéré. Comment ça, nous voilà? Nous voilà de rien du tout. Tu nous as perdu là. Pas savoir où on est. Quel enfoiré. Oh non. Laisse-moi aller chercher mon coffre, merde. Tu vas m'obliger à sortir l'arbalète, hein. Bon, écoutez, je vais fouiller le coffre. Et si jamais il nous attrape, on pourra faire le... Ah bah non, regardez, il est complètement con. Enfin, il est pas con, mais... Ok, donc nous on va avancer. Par contre, celui qui était en haut, bah... Ah! Oh merde! Attends, moi je voulais contrer. Voilà, ça. Par contre, tu veux nous. Voilà. Nous laisser passer. C'est bon. Ah putain, il y en a plein en plus encore là. J'ai une arbalète. Elle est possédée, messire. Ok, donc il y en a au loin. Par contre, je peux faire un truc avec ça, là. C'est une flèche? Oui. Ah non, c'est un couteau. Donc couteau, faut le garder. Il y a aucun monde où je l'utilise. Bon, par contre, comment on va se débarrasser d'eux? Est-ce qu'on essaye de passer tranquille? Parce que là on récupère des flèches quand même. Non sérieux, je suis à fond. Attendez, faire comme ça pour fabriquer. Bon, on va fabriquer ça. Putain mais je peux même pas. Oh merde. Putain, je voulais pas faire un truc de feu. Pourquoi je peux pas fabriquer là? Ça je comprends pas. Parce qu'il y a des fois... Ah mais parce que... Ah oui d'accord, parce qu'il manque des matériaux. Tout simplement. Moi je reprends mon arbalète. Hein. Ok, il y en a un là-bas. Oh, tiens. Ah non, j'allais dire c'est un maxi coffre. Oh non. Non, 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 on n'est pas là. C'est pas vrai. Où est-il arrivé? Debout. Il a du travail. Non, non, mais il peut pas être debout. Il est fatigué, il dort. Oh, Claude, je sais pas où il est. Tu veux pas ouvrir le coffre, s'il te plaît? Non, non, non. Je deviens fou. Ouais, ouais, tu deviens fou. Attends, parce que du coup, ça m'arrange pas que t'ailles ici, toi. Là, il y a un pot, là. Y a pas quelque chose de l'autre côté? Ah non, c'était le pot qu'on voyait au travers. Ok. Oh merde! Ils arrivent. Tataratatin.
Je suis coincé ici, je suis con. Non! T'as pas le droit! C'est interdit. J'ai jeté mon caillou. Tiens! M'emmerde pas. On va aller se planquer sous un truc là. Ils sont où les deux autres là? Mais lui en fait il bouge pas, il m'emmerde! Allez, y'a un truc à ramasser. Ah, attendez, on va se planquer là en dessous. Hop. On peut pas utiliser son pouvoir quand on est là-dessous. Tant pis. Allez, montre-moi, Hugo. Là, ok. Mais lui, c'est pareil, il a pas l'air de vouloir bouger. Pas un truc là. Non, non, nous voilà de rien du tout. On est cachés. Oh. Non. Mais non. Je sais pas où est l'autre. Parti là-bas. Ah mais il revient ici, lui, il m'emmerde. Et l'autre il repart se planquer tout au bout et il attend parce qu'il sait qu'on va devoir passer par là. Il est pas bête. Le souci étant que moi j'ai besoin de passer. Donc lui ok. Lui ouais il va se remettre là-bas. Et lui à droite je sais pas comment on va faire. Pas un endroit où on peut... Il y a un coffre. Non. Non 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 non. Allez vas-y trace de l'autre côté. Trace de l'autre côté. Parfait. Il me faut... Oh merde. Comment c'est qu'il y a un truc au sol là? Ils sont pas ralentis eux? Ah si. Merde merde merde. Non le con. Casse toi. Oh attention l'arbalestrie. Donc ok, il faut qu'on les attire de ce côté-ci. Il y a un truc au sol. Et ils vont pouvoir brûler. Bon. Alors moi, vous êtes en train de m'emmerder. Et à un moment donné, je vais pas me prendre la tête à vouloir passer tranquillement. Voilà. À partir d'un moment, je vais pas me faire chier. J'arrive pas à passer de manière discrète. Donc je ne passerai pas de manière discrète et puis c'est tout. Donc tant pis. On va utiliser ce qu'on a à disposition. Alors attendez, du coup, lui là-bas... Lui, il nous faudrait du feu. Lui ici. Ah mais il est dodo là non? Et il est pas dodo du tout. Comme ça, je sais où vous êtes. Ils sont partis par là. Je le sais. Il vient par ici. En fait, il faudrait qu'on arrive à en attirer deux de ce côté-ci là. Attendez, on va essayer. Je vais essayer un truc. Ouais ah ouais c'est ça, bah cherche. Non, non, un coffre. On va aller chercher le coffre tout de suite. Donc il y en a un normalement qui est en face là. Encore de la merde qu'on peut ramasser. Ah où est-il? Ok, reviens par là. Il nous voit pas là? Il est dodo? C'est ça, bah venez. Il est où le dernier là? Oh! Allez viens!
Allez, venez. Oh putain! Je savais pas qu'il était aussi près. Faut fuir. Fuyons. Non, non, on souffrira pas. Par contre, vous. Putain, il y avait un couteau. Oh la vache, enfoiré! Ok. Ok, ok, ok! Oh putain! Salut l'ami! Attendez, moi je veux tous vous attirer de ce côté-ci, moi en fait. Allez, venez! Avance, 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 avance! Allez, venez! Vous pouvez passer à droite ou pas? Non. Salut les mecs! Il vient pas le dernier là? Oh la vache! Eh bien? T'as cassé ta flèche. Ah c'est con hein. C'est con, tu sais plus où je suis. Complètement incinéré. Oh. Or, coupable va regretter d'être né. C'est ça. Je te mets juste un petit coup pour le plaisir. Voilà. Après je m'en vais comme un lâche. Ah attends, parce que du coup je sais qu'il y avait un couteau à ramasser, bah il était là. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça va, il reste là-bas. On va récupérer. Ah, il y a une arbalète ici. Une flèche d'arbalète ici. Encore 2-3 trucs à récupérer. On peut fabriquer de ça. Ça, on peut fabriquer aussi. Parfait, mais c'est pas de ça que j'avais besoin. C'est pas grave. Alors, l'ami. Mais est-ce qu'on peut la tirer par là ou pas? Attendez. Oui. On peut la tirer. Hop, bah on l'emmerde. On va le laisser en vie, lui. T'as bien de la chance, l'ami. On aurait pu passer bien plus rapidement. Mais on voulait quand même essayer de récupérer un maximum de choses. Qu'est-ce qui lui arrive? Amicia. Oh, laisse-moi. Respirer. On devrait attendre, Amicia. Non, il nous trouverait. On doit attendre ce bâtiment. C'est une église? Je sais pas, mais on est trop visible. Allons à l'intérieur. C'est pas de ça qu'ils avaient parlé tout à l'heure? Oh. Ils abandonnent jamais. Oh putain, mais comment on va faire? Tu en as tué beaucoup dans la ville rouge. Plus que j'aurais dû. Non, t'as rien vu. Étrange. Très étrange. Alors attendez, parce que c'est pareil, j'aimerais bien un petit peu dans cette zone farfouiller. Mais ils me disent pas comment on gagne vraiment des points là-dessus. Parce qu'en fait, je pense que je vais devoir aller là-bas. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant. On va aller voir. Oh oh. Là, il y a un coffre, je crois. On va y arriver. Oui, et tu te reposeras. Oh putain, mais il y a un garde au-dessus. C'est quoi ça? Pas le... Merde, 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 merde. Non, 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 non. C'était... étrange. C'était caché. Putain. Fais attention, tu es très fatigué. T'en fais pas. Ok. On fouille dans ce coffre. Qui est de l'alcool.
Parce que du coup, en fait, j'aimerais bien augmenter un petit peu mon infiltration là, mais. Oh oh! Ah, bah là, mais c'est terminé là. On est repéré. Merde, merde, merde. Putain, j'ai cru que j'avais raté. Ok, y'a rien à amasser. Oh merde! Putain! Ils sont planqués derrière, là! Les visiteurs! Tous venus d'ailleurs! Tiens! Bon sang! Il vient lui! Il vient totalement. On peut descendre ou pas par là? Oula, on peut pas descendre! Je prends ça, merci! Taratatatin, tatatin! Il m'a vu aller là-dedans ou pas? Il m'a totalement vu! On peut pas lui balancer un petit caillou? Pas du tout! Waouh! Bon. Tiens. Attention, il y a l'autre. Oh non! Je voulais pas utiliser mon couteau! Je voulais pas utiliser mon couteau! Je voulais pas utiliser mon couteau! Si jamais on a une porte à ouvrir, on est marron. Je voulais pas utiliser mon couteau, fais chier. Il est vraiment mort. Quelqu'un va payer pour ça. Il m'emmerde lui à venir ici là. À un moment donné, faut me foutre la paix. Moi, je fouillais tout ce qu'il y a à fouiller. Attendez un peu que je vous trouve. Non, tu ne trouveras pas. Ah, on a récupéré un couteau. Putain, faut pas que je fasse le con par contre. Faut pas lui balancer un caillou là. Ouais, il en a rien à foutre. Alors attendez, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à fouiller comme zone ici? Ah, il y en a un là-bas, mais il est loin. Il y a des bâtons. Ah, ou c'est pas des bâtons, je sais pas ce que c'est. Ok, bon, il s'est tourné. Ah non, c'est pas les trucs qui... Je sais plus exactement à quoi ça sert, ça, mais on va voir. Je crois qu'il y a un petit carreau ici à récupérer. Non, non, t'as rien vu. Et tourne-toi. Voilà. Ah putain, mais d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Ah, c'est les trucs qui les aveuglent, ça. Ah putain, on peut aller là. Il y a un maxi coffre au-dessus. Prends l'autre en haut. Pour le moment, il nous voit pas. Ok. Ah, si, il commence à nous voir. Mais ça va. Ah, c'est un truc avec un couteau. Non? Ah non. Parfait. Ah, il est où lui? Il est là. Pas lui balancer sur la gueule. Oh non! Il se doute qu'on est là? Ah, je suis en train de me demander s'il sait pas qu'on est là maintenant. Recommencez pour voir, vous aurez ce que vous méritez. Oh merde, je crois qu'il vient. Comment on descend? Ah, je peux descendre là. Ah oui, il est grimpé l'enfoiré. Enfin, il est grimpé, il a grimpé. Descends.
Hé hé! On t'a berné, l'ami! T'as de la chance que je peux pas viser au-dessus maintenant. C'est quoi que j'ai en truc là qui explose un au-dessus du couteau? Il est ouf. Ah bah il est redescendu de l'autre côté, bah parfait. Du coup on va pouvoir aller regarder de ce côté-ci. J'ai cru voir un mec là, non? Ah oui putain, il est là. Comment allons-nous faire? Est-ce qu'il y a autre chose au-dessus? Il y a l'air d'avoir quelque chose, ouais. Alors, on va essayer peut-être de la tirer là. Allez, viens. C'est quoi ce bruit? C'est rien du tout. Non, 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 grimpe. Putain, mais à chaque fois que je viens à un endroit, il y a toujours cette merde là. Je peux rien faire. Ah, je peux en refaire un exprès. Ah putain, il y a un carreau. Ah, oh, regardez qui voilà. Oh merde. Ah ouais, d'accord. Ah putain, il est dans le feu! Vite! Non! Faut pas que je fasse ça! Putain, mais pourquoi j'ai le réflexe d'appuyer aussi? Il a pas pris feu lui? Putain, ça fait deux couteaux que j'utilise, fait chier! Vous pourrez pas vous cacher, inutile de fuir! Ah, puis j'ai raté! Non, j'ai pas envie. J'aimerais bien ne pas creux. Oh non. C'était quoi? Venez avec moi. Oh non, merde. Puis je suis dans une impasse maintenant. Oh putain, mais c'est pour récupérer plein de merde. Oh non. Contrée. Magnifique. Putain, et l'autre derrière qui me vise. Est-ce qu'ils savent que je me suis foutu en dessous? Non, ils peuvent pas savoir. Même s'il y a nos pieds qui dépassent à moitié. Non, hein? Déployez-vous et ratissez la zone. C'est ça, ratissez la zone. Oh, bonjour. À quel moment ils nous voient pas là? Il me reste juste une zone à regarder en fait. Je sais pas trop comment je vais pouvoir y aller. Par là. Oui, bien sûr. Ça fait chier qu'on utilisait nos couteaux par contre. Ça m'emmerde un peu. Oh merde, merde, merde. Ok. Allez, oust. Tiens. Comme ça, lui, il nous emmerdera plus. Quelque chose à reprendre ici ou pas? Il me faudra un couteau. C'est des fragments. Ah mais du coup je suis sûr que je vais avoir besoin d'un couteau d'ici pas longtemps. Ça m'emmerde. Putain, je récupère tellement de trucs.
Ah, un coffre. Allez, un couteau. Faut absolument pas que j'ai le réflexe d'appuyer si... Ah, putain. Ah. Attendez, ce qu'on peut faire... Ouais, ouais, ramenez-vous tous les deux en même temps. Non, non. T'as rien vu. Putain. C'était... Ils sont partis par là. Je les tiens ! Venez par ici ! Oh non ! Brûlez en enfer ! Voilà, comme ça on fait tout. Je sais pas si on va pas être tranquille là du coup. Je crois qu'ils sont tous morts, non? Il y a un maxi coffre en dessous. Ah, il y a un coffre. Bon, bah écoutez. Ah oui. Ah oui, c'est carbonisé là. Bah très bien. Au moins on est tranquille. Regarde-moi ça, ce beau coffre. Faut un couteau par contre. On récupère encore des fragments. Du coup on avait... Ah bah regardez, il y avait encore des choses là. Par contre... Monte. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à droite là? Ça nous emmène où? Non, ça nous mène nulle part. Ok, bon. On va aller regarder dans le coffre qui est en bas et puis on va se barrer. Du coup, encore une fois, la discrétion, c'est pas notre fort. Mais on est passé. Oh, sérieusement? Ah oui, c'est les autres, en fait, c'est l'alcool et tout ça dont j'aurais besoin. Donc il faudrait qu'on arrive à améliorer aussi le truc pour avoir un peu plus de munitions dans l'inventaire. Ce serait pas de refus. Attends. Rien du tout. Rien à faire. Ok. On trouvera une autre porte. Comme celle-ci, par exemple. Très cher Hugo. Oh. Ah. Non. On ira sur l'île ensemble. Oui, il faut qu'on sorte d'ici. Très bien, et ben on va faire une coupure pour la rediff YouTube juste ici, alors que Amissa est très mal en point. Ouais, on peut le voir. Tu sais, ah ouais, ouais, c'est ça continue de saigner, c'est pas très beau. Bref, et ben du coup, oui. Merci à ceux qui ont regardé la rediff YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne journée. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !